Depuis presque 30 ans, François Ferolotto s'illustre en tant qu'acteur, que ce soit au théâtre, au cinéma ou à la télévision. Une passion qui lui a permis de rencontrer l'amour. En effet, l'acteur italien de 51 ans est un homme amoureux d'une femme qui, elle aussi, est très familière avec les plateaux de tournage. Elle est même l'une des vedettes de la pastille humoristique La Ségale à HRL Scène de Ménage, M6. Il s'agit de Valérie Carsanti, laquelle incarne l'incontournable Liliane qui est en couple avec José, joué par Frédéric Bourali. Entre François Ferolotto et Valérie Carsanti, c'est une affaire qui roule depuis un bon moment maintenant. Les deux comédiens se sont rencontrés au début des années 2000 grâce au théâtre. Un amour pour la scène qui les a d'ailleurs réunis en 2010 dans la pièce Grand Écart de Stefan Belbé avec également Thierry l'Ermite. En 2020, François Ferolotto a également eu l'opportunité de donner la réplique à sa compagne dans Scène de Ménage. Il incarnait alors le professeur de chinois de Liliane et José. Par ailleurs, le couple a eu deux enfants, Léon est né en 2002, Chaïm en 2006. Ensemble, ils ont même envisagé l'adoption avant de renoncer. D'ordinaire très discrète sur son idylle avec François Ferolotto, Valérie Carsanti avait accepté de se confier à ce sujet dans les pages de Téléstar en 2017. C'est un sujet abordé avec mon chéri après la naissance de notre deuxième enfant. On a abandonné pour des raisons de disponibilité. On travaille trop, avait-elle avoué. Lors de cette même interview, Valérie Carsanti reconnaissait que, sans François Ferolotto, elle n'aurait peut-être jamais voulu devenir mère. Moi j'ai eu un désir d'enfant lié à un homme. J'ai eu la chance de rencontrer mon amoureux il y a 18 ans et d'avoir envie avec lui d'un enfant. Puis d'un second. Mais pour moi, ce n'était pas un désir absolu, déclarait-elle.